Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc on est sur une séance qui semble confirmer le signal Laramie que je vous présentais hier, puisque l'on a cassé ici le point bas de cette bougie, et même par rapport au retracement de Fibonacci où on était ici sur le retracement à 23,6%, eh bien on a largement enfoncé, donc on verse sur un gap et continue le mouvement baissier, et on a déjà atteint ici la zone 50,61,8. Alors on est ici en unité de temps daily. Si on passe en unité de temps en 4 heures, voilà, on peut constater que suite à cette impulsion, eh bien on est sur une consolidation qui semble complète, hein, par rapport à la dernière impulsion ici. Alors la zone qu'il va falloir observer aujourd'hui, elle se situe ici sur cette zone ici. Vous voyez le point bas de la bougie ici et le point haut ici de ces bougies. On a une zone ici qui était résistance, qui s'est transformée en support, qui a été le théâtre de l'ouverture d'un gap haussier. C'est vers cet objectif que se dirige actuellement le CAC 40. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici qui est largement devenue baissière, hein, depuis hier, donc justement, et l'apparition de cette phase de consolidation. Le RSI quant à lui est brièvement passé ici au contact de sa zone de surachat et est déjà revenu en zone neutre. Il se dirige de manière assez forte vers la zone ici de survente. Donc on est sur une configuration ici, eh bien qui valide, hein, le mouvement de retournement que nous avions hier. Alors certes, le Harami est un mouvement très faible. Par contre, si on a une rupture ici de la première bougie, eh bien effectivement, on peut avoir un fort signal d'accélération. Donc comme je le disais en introduction, il va falloir surveiller ici cette zone, hein, proche des 4950 points. C'est elle qui, après avoir été résistance, avait été cassée sur gap, était devenue support. Et donc on a ici ce support, cette zone horizontale et ce gap haussier qui avait été ouvert donc en début de semaine. Si la rupture, le comblement de ce gap était effectif, on aurait certainement un retour ici sur la zone des 4910 points. Sur rupture de cette zone des 4910 points, le signal deviendrait vraiment très négatif. On est pour l'instant sur une phase de test ici, la zone moyenne mobile 20, moyenne mobile arithmétique. Si ce test ne rebondit pas immédiatement, on a vraisemblablement un comblement de ce gap qui pourrait s'opérer et donc un retour à attendre sur la zone des 4910 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique, sachant que à la hausse, si des fois les cours rebondissaient, ça serait l'ouverture de ce gap ici entre grossièrement 5020 et 5040 points qu'il faudrait observer pour nous donner plus d'informations sur la séance actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale d'un point de vue macroéconomique. Alors, nous aurons les chiffres du PIB de la zone euro qui seront dévoilés à 11h. Et puis, à 14h30, nous aurons les ventes au détail qui n'ont que très peu d'impact, hein, sur l'évolution des cours actuellement liés à la crise du coronavirus. Et donc, ce sera tout pour cette fin de semaine. Donc, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.